Bonjour, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous policier d'aujourd'hui. La disparition ou l'enlèvement d'un enfant font toujours peur et hantent l'imaginaire des parents. Mais il existe pourtant de petits trucs simples à apprendre à vos enfants afin qu'ils minimisent justement les risques d'incidents qui pourraient leur arriver, que ce soit par exemple en se rendant à l'école ou lorsqu'ils font face à un inconnu. Alors, l'émission d'aujourd'hui porte justement sur la sécurité de nos enfants et nous nous sommes rendus à la présentation d'une pièce de théâtre. Et vous allez voir que pour rejoindre les tout-petits, c'est l'outil par excellence. La pièce de théâtre a été conçue par Pierre Quintal et Michel Soutière lorsque c'était le service de police de Brossard. Les deux agents étaient au communautaire à ce moment-là. Et puis, eux ont créé la pièce de théâtre de frais. Ça doit remonter environ à 15, 18 ans, 91. Et puis, eux, c'est l'outil qu'ils ont pris à Brossard, justement, pour les consignes de sécurité, ces choses-là. Au lieu de les faire magistral en classe, ils se sont servis du théâtre de Fred. Et depuis, je vous dirais que depuis les fusions, c'est un outil qu'on aurait repris. Et puis, on est plein. Le livre là, la cédule là, de Fred, là, on est en 2009, on est à veille de compléter l'année scolaire, tellement qu'il y a une demande qui est faite à ce niveau-là. C'est sûr que c'est toute une autre réaction qu'on a de la part des enfants. On a l'attention des enfants, mais d'un autre côté, parce que là, on n'est pas l'exemple à suivre. On est le petit tannant, celui qui fait rire, celui qui n'a pas le bon comportement. Donc, c'est le fun d'avoir le retour des enfants de tout ça et de voir que les enfants viennent nous protéger. Juste comme exemple, lorsqu'on va voir l'inconnu, tous les enfants nous crient non, 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 donc connaissent les règles de sécurité puis nous retiennent là-dedans. Donc, on se sent un petit peu le petit-enfant des enfants, puis les enfants prennent le rôle du parent, du policier pour nous protéger là-dedans. Mais Normand, pourquoi tu es ici aujourd'hui? Parce que ça, c'est un outil pédagogique qui nous permet justement, avec les jeunes, de créer une certaine, comme Eric a dit, une magie. Et puis les enfants sont très absorbés par qu'est-ce qu'on dit. Eux nous écoutent, là, puis ça nous permet d'aller capter leur attention avec la pièce là, de théâtre, là, justement. Là. Puis eux autres, en voyant Fred, justement, là, qui est tannant, le policier qui fait le rôle de bon père, qui les ramène, les enfants voient ça sur un autre angle que la théorie en classe, tout simplement. Là. On a Fred, qui est notre petit tannant. Moi, je l'appelle le petit tannant. Lui, il connaît pas les consignes au début. Il écoute pas beaucoup. Faut toujours le ramener à l'ordre. Et tranquillement, pas vite, le policier, un bon père de famille, vient et lui montre les consignes de sécurité au fur et à mesure. Donc, il les apprend, d'où la pédagogie. Après ça, on va chercher un élève dans l'ensemble des élèves qu'il y a là. Et eux viennent aider Fred parce qu'eux, ils ont compris les consignes parce qu'ils l'ont écouté la première fois quand le policier est revenu. Et ils vont aider Fred à respecter les consignes de façon correcte. Et par la suite, c'est là que les enfants comprennent beaucoup l'outil pédagogique de Fred. Il y a le policier également qui fait le bon père là-dedans, qui ramène Fred puis qui donne des bonnes consignes. On a dans le décor, c'est une maison de Fred. On a deux décors. On a une en toile pour l'extérieur qu'on peut se servir. Et celle-là qui est en bois avec des tissus, c'est tout simplement la maison de Fred dans laquelle Fred commence avec une marionnette. Et puis les petits, on commence l'introduction comme ça, ils se cachent, les enfants, l'attention est captée parce qu'ils veulent me montrer où ce que Fred se cache, le policier arrive et Fred disparaît, là les enfants, ils embarquent déjà dans la pièce de théâtre, la magie commence à s'opérer à ce niveau-là. Et puis tranquillement pas vite, Fred commence à être en interaction avec le policier et les jeunes et on invite Fred à venir grandeur nature. Le Fred est grandeur nature, déguisé comme la marionnette et là on commence les consignes de sécurité au fur et à mesure que la pièce évolue. OK, bien, le premier, parce que la pièce de théâtre est comme en quatre volets. La première, c'est lorsqu'on est perdu.
Nous sommes de retour au rendez-vous policier et nous poursuivons notre émission d'aujourd'hui qui, je vous le rappelle, porte sur la sécurité des enfants. L'agent Mignot du service de police de l'agglomération de Longueuil nous présente maintenant les volets qui sont abordés dans la pièce de Fred. Le premier, parce que la pièce de théâtre est comme en quatre volets. La première, c'est lorsqu'on est perdu. Okay? On reproduit une rue qu'on ne connaît pas. La maison qu'elle a n'est pas la sienne. Les amis ne sont plus là, le policier. Donc, il n'y a pas de point de référence. Et là, on veut voir ce que Fred fait dans cette situation-là. Évidemment, on montre aux enfants, lorsqu'on est perdu, on ne panique pas, on pleure pas, on reste calme. On leur montre la fiche parents secours en disant que c'est des amis des policiers. Ce sont effectivement des foyers refuges qui ont été filtrés par les policiers, donc ce sont des gens qui sont crédibles. Et puis, à ce moment-là, l'enfant va avoir une ressource. S'il est perdu, il va se diriger vers un foyer refuge de parents secours. On peut lui montrer, effectivement, comme vous disiez, d'apprendre leur téléphone, ce qui est quand même primordial, leur adresse. Comme ça, s'ils sont perdus, on a au moins des points de référence pour retrouver ses parents. Par la suite, ça va être les étrangers. On va montrer, faire face aux étrangers, qu'est-ce qu'on doit faire. Là, on voit dans la pièce de théâtre tout ce que Fred embarque dans la voiture d'un étranger. On voyait que les enfants n'étaient pas du tout d'accord avec ça. On voit déjà qu'il y a des enfants qui ont compris les directives, mais Fred n'a pas compris. Donc, le policier embarque en disant, « Regarde, Fred, il y a des consignes à respecter. Garder une distance sécuritaire, de s'éloigner si un étranger s'approche de nous, d'aller le dire immédiatement que c'est pas un secret. » là. Et puis, là, Fred, ben, avec son autre ami, vient comprendre les consignes et... C'est tout simplement le jeu de la pièce, c'est que les enfants comprennent c'est quoi les consignes de sécurité. Ah, c'est un inconnu! On y va pas! Ah, on y va pas, hein? Il faut pas y aller! Il faut pas y aller! Oh! Hey, bravo, Ali! Excellent! Tiens! Comme ça! Wow! Hey, bravo, la troisième Ali. Chose, c'est lorsqu'on se rend à l'école. OK? Les enfants doivent se rendre de façon sécuritaire. On voit encore notre Fred qui a traversé dans les cours des gens, dans les champs, a marché sur une voie ferrée, n'a pas traversé aux intersections où il y a un brigadier scolaire, n'a pas respecté les corridors de sécurité. Oui, la voie ferrée. Alors, je passe par la voie ferrée, c'était dans mon raccourci, la voie ferrée. Et là, j'ai couru, puis tu sais, il y a des barres comme ça, des morceaux de bois, là, je sautais par-dessus les morceaux de bois comme ça, très, très, très vite. Et là, soudain, j'ai entendu « Tchou, tchou! » Puis là, je me suis retourné, oh! Et puis là, il y avait un train, et une chance que je saute très, très vite, sinon j'aurais pu me faire frapper par le train. Et ensuite, j'ai couru, j'ai traversé au travers du parc, et là, je suis arrivé à l'école, par la cour en arrière. Et là, je suis arrivé. Il est bon, mon raccourci, hein? Là, on revient avec les consignes, justement, qui doit traverser aux intersections, où il y a un brigadier scolaire, de marcher en groupe, plusieurs groupes d'enfants sur le trottoir pour se rendre à l'école, se lever plus de bonne heure, ne pas flâner des fois le matin. L'enfant est en retard, d'où Fred prit ses raccourcis. Et surtout, la voie ferrée, de ne pas marcher sur une voie ferrée. Ça pourrait être très dangereux. D'ailleurs, c'est interdit de le faire. Donc, on ramène Fred à l'ordre, et là, les enfants comprennent les consignes, et puis, d'où encore l'outil pédagogique qui revient... Non, j'ai pas été très, très sécuritaire ce matin. Oui. Je pense que je vais me lever plus tôt. Oui, je vais me lever plus tôt, normal. Je vais me lever plus tôt pour pas être en retard. On peut être plusieurs amis pour venir à l'école? N'est-ce pas, Fred? Oui, plusieurs. J'ai appelé mon voisin. Mon voisin qui est dans ma classe, puis on va aller à l'école ensemble maintenant. C'est, lorsqu'on est seul à la maison, de répondre au téléphone, on dit toujours... Ben mon papa, il y en a qui vont dire « Mon papa n'est pas là, donc si c'est un étranger, un inconnu, on ne sait pas c'est qui. » On dit toujours « Mon papa est occupé, ma maman est occupée, est-ce que je peux prendre le message ou rappeler plus tard? » Là, on voit encore que Fred n'a pas compris les consignes au début, et puis l'enfant vient aider Fred pour les consignes, et Fred comprend très bien les consignes à la fin, il les a tous compris d'ailleurs. Camille! Alors, Camille, moi, je vais faire sonner le téléphone et toi, tu vas répondre, d'accord? Moi, je vais faire le étranger, OK? OK, vas-y. Dring, 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 dring! Admettons que dans une école où que il y a une problématique d'un étranger, une situation comme ça, on va mettre beaucoup plus d'emphase sur la situation contemporaine de ce que l'école vient de vivre. Oui, ça se fait, ça. Ça peut être n'importe quelle sorte de problématique qu'on va adapter au niveau de la pièce. Beaucoup de cas de disparition, du moins à ma connaissance, là, mais ce qu'on veut surtout faire par la pièce, c'est de sensibiliser les gens, qu'il y ait des outils, que s'il arrive une situation, qu'ils sachent comment réagir.
De retour de la pause, je vous rappelle que notre rendez-vous policier d'aujourd'hui parle de la sécurité des enfants, thème qui est d'ailleurs très bien abordé par une pièce de théâtre créée par des policiers de Longueuil. Une pièce qui en a d'ailleurs marqué plusieurs. Non, on voit pas beaucoup de cas de disparition, du moins à ma connaissance, là. Mais ce qu'on veut surtout faire par la pièce, c'est de sensibiliser les jeunes qu'il y ait des outils, que s'il arrive une situation, qu'ils sachent comment réagir. Dans le cas où il est perdu, l'enfant va se souvenir de la pièce de théâtre parce qu'on les voit plus tard, les enfants, dans les écoles, nous. Et ils se souviennent toujours, « Ah oui, je t'ai vu à la pièce de théâtre de Fred », et ils se souviennent des consignes. Pourquoi? Parce qu'eux, c'est interactif, puis ils absorbent ces choses-là. Et puis souvent, ils se rappellent. Donc, c'est des outils que les enfants ont, justement, dans l'école, les quatre volets de Fred, là. Les enfants connaissent la base des consignes de sécurité, surtout par les inconnus, ils le savent. Donc, dès que Fred s'approche de l'inconnu, puis tente de s'approcher un peu, la réaction est la même. Les enfants crient, les enfants sont vraiment font partie du spectacle. Nous, à la fin de la pièce de théâtre, on va donner le livre à colorier de Fred. Dans le livre à colorier de Fred, on retrouve les consignes de sécurité. Les enseignantes font un retour de la pièce de théâtre en classe et les parents, le soir, pourraient, avec le livre, tout simplement refaire les consignes de sécurité aux enfants pour s'assurer qu'ils ont bien assimilé les consignes, les conseils de sécurité. Et puis, surtout, de leur apprendre téléphone et adresse. Ça, c'est des choses qui sont quand même très, très de base, là. Et puis, de faire un retour sur la pièce de théâtre avec les parents, par le livre à colorier, tout simplement. Alors, c'est un livre à colorier qui a été conçu par notre section et qu'on remet à la fin de chaque pièce de théâtre. On en remet un à chaque enfant qui regroupe les conseils de sécurité qu'on a à l'intérieur. C'est en partenariat avec le CN et avec Parents Secours qu'on a fait ce livre-là. Donc, tous les conseils de sécurité qu'on énumère, on les retrouve à l'intérieur, mais sous forme de jeu, sous forme de mots croisés, des choses comme ça. Et on a même à l'endo, s'il y a des parents qui veulent s'inscrire à Parents Secours, on a même une formule d'adhésion. Donc, on remet ça, un à chaque enfant. Chaque enfant qui a vu la pièce de théâtre a reçu ce livre à colorier-là. Oui, Enfants Retour Québec font des livrets, on fait ça environ une à deux fois par année. Le service de police ici, ça permet d'identifier un enfant avec ses empreintes digitales, sa photo et toutes les coordonnées de l'enfant au complet dans le livret. Ce qui veut dire que si l'enfant a été égaré, disparu ou quoi que ce soit, on sait que les parents vivent une situation difficile dans ces moments-là. Ils ont juste à nous remettre le livret au service de police. On a déjà toutes les coordonnées de l'enfant dans le livret. Donc, dans l'énervement, les parents pourraient oublier des détails à nous donner et le livret comporte tous ces détails-là. Ça nous permet de commencer les recherches beaucoup plus rapidement et puis avoir de l'information aussi qui est sûre là, dans le livret. La photo, c'est très important, les empreintes. Alors, lorsqu'on fait la pièce de théâtre, c'est sûr que c'est un autre moyen qu'on a pour aller rechercher les enfants, autre qu'une une séance magistrale devant la classe et de parler des conseils de prévention. Donc, on parle d'une pièce où est-ce que les gens se reconnaissent, où est-ce que les jeunes vont s'imaginer. Donc, on entre dans tout l'imaginaire des enfants. Là, c'est la magie de ça, c'est qu'on entre dans l'imaginaire. Les enfants font partie de la pièce, sont plus dans un gymnase, sont vraiment à côté de la maison de Fred avec un inconnu, avec un policier. Ils participent beaucoup. Donc, c'est la façon qu'on voulait. Les enfants apprennent beaucoup par le jeu, apprennent beaucoup en jouant, en s'amusant. Donc, c'est le lien, c'est ce qu'on voulait faire lorsque les concepteurs de la pièce de théâtre ont monté ça. On va aller chercher la magie des enfants. Donc, en conclusion, moi, je crois beaucoup à la pièce de théâtre de Fred parce qu'on voit des étudiants. Moi, ça fait 4 ans que je fais la pièce de théâtre. C'est ma 4e année. Et puis, on voit les élèves que j'ai vus en 2e année dans ce temps-là, sont rendus en 6e et se souviennent très clairement. Oui, je t'ai vu dans la pièce de théâtre de Fred. Tu disais ça, tu parlais de ça et ces choses-là. C'est auditif et visuel et les enfants retiennent ça beaucoup, la pièce de théâtre de Fred. On le revoit, puis là, bientôt, là, ceux que j'ai vus là, je vais les revoir au secondaire, puis souvent, ils vont en mémoire aussi de la pièce de théâtre de Fred. Absolument. Ah, oh, merci, je te rends du prudent. Ah, oh, merci, Normand. Oh. Hey, merci, Normand. Mais les amis, je pense qu'il faut applaudir Normand parce que Normand nous a donné plein de conseils de sécurité. Il est très, très gentil, Normand, le policier. Merci, Normand. Yeah.
Alors voilà, c'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être avec nous mercredi dès 19h, où cette fois nous recevons en studio le sergent détective Marco Calla du SPVM, qui viendra nous parler d'un voleur qui a effectué pas moins de 31 vols qualifiés sur le territoire de Montréal. Alors soyez des nôtres, on a besoin de vos informations sur les ondes d'Avis de recherche à 19h.